Alléluia. Amen. Vous avez l'air vraiment en forme aujourd'hui. C'est vrai ou non? Ah. Alors, quand on est dans la présence du Seigneur, écoute, si on ne fait pas attention, des fois, on est, comme on dit, on est un peu stéréotypé. Et le pasteur dit quelque chose et tout le monde dit Amen. Et le pasteur dit une autre chose, tout le monde dit Amen. Mais des fois, on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. Amen. Comme ça. Mais là, on est dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Quand j'ai préparé hier ce message, je me dis, Seigneur, je veux vraiment que tu agisses dans la réunion de cet après-midi, que tu touches les vies. Et je crois qu'en entendant de ce qui s'est passé ce matin, ici à Pernetti, le Seigneur est en train de faire une belle chose parmi vous. Et je le ressens, il me semble, et j'ai dit au pasteur Lindemann, ces dernières fois que je suis venu, j'avais vraiment le sentiment que l'Église est en bonne santé. Vous avez, ça respire un peu la santé. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour la santé. Alors on va regarder en Éphésiens chapitre 3. Le titre du message, frère. Alors il faut que tu écris bien le titre du message. C'est trois choses que Dieu veut que vous sachiez. Trois choses que Dieu veut que vous sachiez. Éphésiens chapitre 1, et on va lire à partir de verset 15. C'est Paul qui écrit aux Éphésiens, mais c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Alors on sait que ce que Paul écrit là, en quelque sorte, c'est la pensée de Dieu pour vous et moi. C'est pourquoi moi aussi, verset 15, chapitre 1 d'Éphésiens, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Souvenez-vous, il parle des gens qui aiment le Seigneur déjà, qui connaissent déjà le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une connaissance progressive du Seigneur Jésus-Christ, encore plus grande. Et il dit au verset 18, « Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. » Est-ce que vous saviez que votre cœur, il a des yeux? Ils sont bruns ou bleus, vos yeux de cœur, je ne sais pas, que peut-être ils sont jaunes, je ne sais pas. Mais vous avez des yeux dans votre cœur. Bien sûr, il parle spirituellement, c'est une métaphore. Mais il dit, il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez trois choses. D'abord, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Deuxième chose, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et il y a des versions que j'aime même encore mieux que ça, qui dit, quelle est la richesse de sa gloire quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve dans la personne des saints? Une petite différence là. Et troisième chose, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessous de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans cette réunion cet après-midi. Et Seigneur, ensemble, nous avons décidé de ne pas t'empêcher d'accomplir ce que tu veux accomplir parmi nous. Seigneur, nous savons que tellement souvent tu étais là, tellement souvent tu voulais nous sauver de nos péchés, tellement souvent tu voulais guérir nos maladies, tellement souvent tu voulais enlever cette dépression, tellement souvent tu voulais briser les liens de passé. Seigneur, nous sommes passés à côté de ce que tu voulais faire. Pardonne-nous, pardonne-nous. Ouvre les yeux de notre cœur. Seigneur, que nous soyons vraiment, vraiment conscient de ta présence et de ta personne, que cette connaissance que nous avons déjà de toi, Seigneur,
qu'elle va en grandissant. Seigneur, touche, agis, accomplis ce que tu désires faire cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça se peut que j'ai déjà posé cette question, mais j'aimerais bien encore la poser. Combien d'hommes mariés est-ce qu'il y a dans la réunion? Les hommes mariés, laisse-moi voir la main. Et vous, les femmes, laissez-les le faire, hein? Permettez-les. Alors, laisse-moi vous poser une autre question. Combien d'entre vous, les hommes mariés, vous connaissez votre femme mieux aujourd'hui que le jour où vous vous êtes mariés avec elle? Laisse-moi voir. Amen. C'était une révélation la première fois qu'elle m'a dit, après le mariage, je ne suis pas d'accord. Et est-ce qu'il était surpris, Bruno, quand tu lui as dit la première fois, je ne suis pas d'accord? Tu ne lui dis pas que tu n'es pas d'accord, mon œil. C'est une révélation, nos femmes. C'est beaucoup mieux qu'au début. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est incroyablement bien de découvrir cette femme avec laquelle vous vous êtes marié. Aldrich, je te recommande, c'est un état merveilleux. C'est une institution merveilleuse, le mariage. Mais qui veut vivre dans une institution? Mais non, je plaisante. Mais c'est vrai, la connaissance de notre femme, la connaissance de notre mari pour vous, les femmes, ça, dans un bon mariage, ça grandit. Et dans un mariage qui va nulle part, ça reste le même. Parce que je vais vous dire quelque chose. Là, j'ai entendu déjà des jeunes femmes qui pleuraient et disent, « Il n'est pas l'homme avec lequel je me suis mariée. » Et j'ai dit, « Oh, chérie, bienvenue au monde. Hein? » Parce que vous vous êtes mariés avec une image et la réalité n'est pas toujours l'image. Amen, les sœurs. Il est beaucoup mieux que cette image, n'est-ce pas? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aussi. C'est que vous pouvez croître dans votre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai dit honnêtement, ma femme et moi, nous sommes mariés plus de 40 ans. Et c'est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 40 ans de cela. C'était bien il y a 40 ans. Mais je la connais et je crois qu'elle me connaisse et elle me connaît et elle me supporte quand même. Mais dans cette connaissance, l'un l'autre, avec nos points forts, avec nos fautes, c'est là le merveille de cette relation. Nous découvrons l'autre personne. Nous savons ce qu'il va faire. Nous savons s'il ronfle, s'il ne ronfle pas. Nous savons ce qu'il ne faut pas lui dire, ce qu'il aime manger, ce qu'il n'aime pas manger. Et nous pouvons encore plus, d'une manière spirituelle dans notre esprit, bien sûr, connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement une connaissance dans la tête. Parce qu'il y a des gens qui remplissent le tête des idées concernant Dieu et Jésus. Et c'est bien ça. S'ils avaient un examen, ils pourraient faire 20 sur 20 toutes les choses que je connaisse en ce qui concerne Dieu. Mais je peux prendre un examen, toutes les choses que je connais en ce qui concerne M. Obama, M. Hollande. Et peut-être je ferai 20 sur 20 sur l'examen. Mais je ne les connais pas. J'ai des connaissances, j'ai des faits dans la tête, mais je ne connais pas ces personnes. Tout ce que je sais, c'est le persona public. Et la Bible dit ici, Dieu veut que nous grandissons dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que Dieu le Père, voilà la prière de Paul, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, si vous prenez des notes, et si vous ne prenez pas des notes, je suggère que vous le faites, parce que ça vous aide. Ma femme, une fois, elle était là, j'ai remarqué au premier rangé, elle était en train de prendre des notes pendant que je prêchais. Et je me suis dit, David, c'est super ça, tu prêches, elle t'entend depuis 30, 40 ans maintenant, et elle prend toujours des notes pour quand tu prêches. Après, j'ai remarqué ça, elle est, oui, ça m'aide, je ne dors pas quand je prends des notes. Alors, quoi? C'était peut-être pas si agréable d'entendre, mais quand même. Paul a dit, ce qu'il avait avant, il avait une religion. Il avait une religion. Il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
Je les ai regardés comme une perte à cause du Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle, lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alors, Paul a dit, maintenant, je connais Jésus, et c'est tellement bien cette connaissance de Jésus, j'ai tout laissé, j'ai tout laissé. Mais écoute ce qu'il a dit au verset 10, là. Il a dit, afin de connaître Christ. Je crois qu'il a déjà dit qu'il connaissait le Christ. Mais il a dit, afin de connaître Christ. Parce que cette connaissance que nous avons du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, avec notre connaissance intellectuelle, mais beaucoup plus que ça, notre connaissance du Seigneur dans la révélation du Saint-Esprit, Dieu veut que vous connaissiez son Fils Jésus. Donnez un coup de coude à votre voisin là, parce qu'il y en a qui dorment déjà. Dieu veut que vous connaissiez bien, profondément son Fils. Des fois, on a une connaissance tellement loin. Dieu, c'est une petite statue. Jésus, c'est une petite statue. Petite bébé dans les bras de son, mes amis. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté à la droite de son Père, qui prie, qui intercède pour nous, qui revient pour son Église, qui va régner éternellement. Dieu veut que vous ayez une révélation de son Fils. Il ne veut pas que vous soyez stérile dans votre connaissance de lui. Et tant de chrétiens, ils sont contents avec une toute petite connaissance. Le cœur est plus engagé pour PSG que pour le Seigneur. Amen. PSG. Je les aimais bien quand Marco Sierra était là, mais il est parti maintenant. Je crois que l'onction est partie avec le chrétien. Hein? Je ne sais pas. Mais il y a cette connaissance, cette révélation, c'est quelque chose que Dieu vous donne. Alors, quand vous priez, vous dites, David, je ne sais pas pour quoi je dois prier ou pour quel sujet je dois prier. Alors, on peut prier les prières de la Bible. Et Paul, il prie ici. Et je crois que si Paul prie pour cette église, il prie pour nous et nous pouvons prier pour nous-mêmes. Il a dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, vous voyez, c'est pas seulement quelque chose dans votre tête, il y a une révélation de Jésus qui vient du Saint-Esprit. Église, écoute-moi. L'Église de Dieu est une Église de l'Esprit. L'Église de Dieu est une Église de l'Esprit. Et Dieu révèle des choses concernant son Fils, pas en dehors de la parole. Ça cadre toujours avec la parole de Dieu. Mais Dieu veut que vous ayez cette révélation dans votre cœur du Fils de Dieu. Voilà pourquoi tant de chrétiens sont stériles en ce qui concerne les fruits. Voilà, tant de chrétiens, ils ne sont pas vraiment intéressés, ils viennent de temps en temps, ils sont ennuyés et tout ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'est pas en train de leur révéler des choses de Dieu. Et vous pouvez avoir une révélation, vous pouvez grandir dans la connaissance du Seigneur. Il faut bien connaître la parole pour voir, bien sûr, quand tu as cette révélation, si ça c'est vraiment Dieu ou non. Parce que Dieu ne va pas vous révéler quelque chose en dehors de cette parole. Tout ce qu'il vous révèle, ça va être en ligne, ça va cadre avec la parole. Mais Église, Église, je vous en supplie, ayez un cœur pour mieux connaître Jésus. Priez de tout votre cœur, Seigneur, par ton esprit, révèle-moi le Fils, révèle-moi Jésus. Voilà pourquoi les gens viennent au Seigneur, parce que le Saint-Esprit parle de Jésus dans le cœur, le Saint-Esprit révèle Jésus dans le cœur. Et quand nous avons cette révélation du Seigneur Jésus-Christ, mes amis, à ce moment-là, les gens sont attirés. Vous pouvez les dire, oh, venez à notre église, notre musique est super, et votre musique est super. Venez à notre église, parce que nous sommes gentils comme tout, hein. Venez à notre église, parce que nous sommes plus beaux et plus belles. Mais quand les gens viennent,
Et non que de la musique. Et je ne parle pas de la musique inspirée du Saint-Esprit, comme vous avez. Mais il y a des groupes qui ont de la belle musique, mais pas d'onction. Il y a des gens qui sont accueillants, les moments, par exemple, mais ils n'ont pas d'onction parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Il y a des gens qui ont une certaine, entre guillemets, purité extérieure, fument pas, boivent pas, ils disent pas des gros mots en principe, ce sont des musulmans. Et c'est tout ce que nous avons, nous sommes musulmans, mormons ou quelque chose d'autre, c'est beaucoup plus que ça. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit parmi nous. La révélation de Dieu parmi nous, de son Fils, par son Esprit. Église, si je peux vous secouer, j'aimerais bien être comme le garçon aux eaux là, qui prend son bâton et qui passe devant la cage des singes. Il fait prrr. Et les singes, alors, je vous peut-être compare aux singes, pardon, mais je veux que vous vous réveillez. Je veux que vous vous réveillez. Mes amis, il y a tant de savoir. Puis-je peut-être revenir à mon illustration au départ? Messieurs, au lieu de se plaindre de votre femme, et parce qu'elle ne fait pas toujours comme tu veux, pourquoi pas la connaître? Pourquoi pas essayer de comprendre pourquoi elle est comme ça? Bon, ce n'est pas toujours facile pour nous les hommes. Vous les femmes, vous devez nous pardonner parce qu'il faut dire que les femmes et les hommes, ils ne réfléchissent pas exactement de la même manière. Vous l'avez remarqué? Vous qui avez des garçons et des filles, vous savez, il y a une différence entre les garçons et les filles, n'est-ce pas? Amen. J'ai dit à quelqu'un, vous savez, quand vous dites non à votre garçon, là, il boule, il se fâche, il part, et c'est fini. Vous dites non à votre fille, c'est pas fini. C'est pas fini. Ce sont des épouses en formation. Amen. Mais si vous travaillez aussi dur pour la connaître après le mariage que vous l'avez faite avant le mariage. Et madame, je sais qu'il ronfle. Et je sais qu'il devait changer ses chaussettes un peu plus souvent. Et je sais qu'il n'est pas parfait, mais essayez de connaître monsieur, ce monsieur avec lequel vous êtes marié. C'est pas que le Seigneur vous avait donné ce monsieur pour que vous le changiez. C'est pour cela qu'il s'est marié. C'est pas pour cela qu'il s'est marié, n'est-ce pas? Il s'est marié parce qu'il vous a trouvé et il vous aimait. Et dans cette connaissance l'un de l'autre, grandissez dans l'amour. Et dans cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais mes amis, des fois j'ai un peu mal. Parce que nous parlons de... nos enfants, ils sont allés au camp de John. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est super. Et les jeunes, ils reviennent, oh là là, quand j'étais là, la présence du Seigneur était tellement précieuse. Et là, le Seigneur se manifestait, ceci, cela. Et maintenant, on est de nouveau à l'église. Alors, c'est la faute à qui? Le Seigneur est différent ici qu'au camp de jeunes. Le Seigneur est différent ici que dans des grands rites. Non, 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 non. Il veut se manifester. Il veut se révéler. Même cet après-midi, il veut nous guérir. Il veut nous pardonner de nos péchés. Il veut nous baptiser du Saint-Esprit. Il veut changer nos situations. Il veut vraiment que nous le connaissions. Je me souviens d'une fois, j'ai passé un moment vraiment difficile. Et Moi, je ne dis pas qu'il faut faire ce que j'ai fait parce que je ne suis même pas sûr que c'est bien, mais je l'ai fait quand même. Et dans la prière, j'avais des choses et je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, écoute, je t'aime de tout mon cœur, mais je dois te dire, je vais te parler à cœur ouvert. Tu as dit dans ta parole, voilà ce que tu as dit. Et voilà ce qui arrive, c'est autre chose. Tu as dit dans ta parole, et voilà ce qui est arrivé. C'est pas, et Seigneur, tu as dit dans ta parole, mais voilà ce qui m'arrive, et voilà ce qui m'arrive, et voilà ce qui m'arrive. Et j'ai répondu toute cette amertume que j'avais dans mon cœur. Et j'attendais le foutre. Ça, Aldrich, j'ai dit, oh là là, maintenant je vais en attraper. Et vous savez ce que j'ai eu, Alain?
Le Seigneur a répandu son esprit comme moi, sur moi, comme l'huile. J'ai senti sa présence. J'ai senti son amour. Jésus était là d'une telle manière. C'était merveilleux. J'avais un petit avant-goût de ciel sur terre. Et vous savez quoi? À ce moment-là, il n'y avait rien qui changeait. Vous me pardonnez, mais je m'en fichais royalement. Parce que quand j'ai Jésus, je peux tout supporter. Hein? Le Seigneur n'est pas une machine à Coca-Cola, mes amis. C'est pas que vous mettez votre euro, vous posez le bouton et ça sort. Jésus, dans le nom de Jésus, boum! Mais où est mon Coca-Cola, Seigneur? Et beaucoup d'entre nous, nous traitons le Seigneur comme ça. Quand vous avez le Seigneur, vous avez tout. Cherchez sa face, cherchez sa présence, cherchez sa connaissance. Le connaître davantage devant. Alors, il veut que vous sachiez trois choses. D'abord, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Le pardon du péché, la justification devant Dieu, la famille de Dieu, la vie éternelle, demeurant éternellement avec lui dans la maison de Père. Mes amis, on a en espérance, quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, que si tout s'écroule ce soir, si notre vie part maintenant pour être avec le Seigneur, nous sommes éternellement avec lui dans une demeure qu'il a préparée pour ceux qui l'aiment. Voilà notre héritage qui commence avec une nouvelle naissance. Mais j'étais en chemin vers l'enfer. Mais Jésus m'a tellement aimé. Et Dieu m'a tellement aimé. Il voulait pas que je meure dans mes péchés. Il voulait pas que je périsse éternellement. Alors il a envoyé son fils Jésus qui est mort pour mes péchés, qui a subi la punition qui je méritais moi. Je suis un héritier. Vraiment, j'ai une espérance à cause de ce que Jésus a fait. Un jour, je me suis agenouillé. Un jour, j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Lave mes péchés. Change mon cœur. Et à partir de ce moment-là, il est venu s'installer de sa résidence, installer sa résidence en moi. Je suis né de nouveau, pardonné, justifié devant Dieu le Père. Je fais partie de sa famille. Mes amis, tellement souvent, on a tellement entendu cela que ça ne nous touche plus. Mais il faut des fois qu'on s'arrête et on pense, mais Seigneur, j'étais perdu. J'étais perdu. J'étais en chemin vers l'enfer. Et toi, tu m'as sauvé. La croix, Seigneur, c'était horrible le prix que tu as payé pour moi. Le péché qui était sur toi, qui était mes péchés. Toute cette horreur qui était mes péchés. Seigneur, tu l'as supporté, tu l'as porté, tu es allé, Seigneur, tu es mort, tu es allé dans le temple du ciel pour offrir ton propre sang sur l'autel du ciel, pour que moi, je puisse venir maintenant, moi qui ne mérite rien de tout, mais en toute simplicité, en toute foi, ce que tu as fait, qui tu es, Seigneur, te dire, merci Jésus, pardonne-moi, change-moi, je prends ton salut, je me donne à toi, ma vie est à toi, fais ce que tu veux avec elle. Mes amis, il y a une espérance. Il y a une espérance qui s'attache à cet appel que nous avons de Dieu. Vous savez, dans certains pays de l'Est, j'avais lu, après que le communisme a chuté, les économies là, c'était vraiment déréglé. Alors, souvent, le patron, l'employeur, même le gouvernement, ne pouvait pas payer ses employés. Mais eux, beaucoup d'entre eux, ils sont allés au travail quand même pour garder leur place. Bien que, quelque part, ils n'avaient pas tellement l'espoir d'être payés. Combien d'entre vous, vous aimeriez bien travailler sans l'espoir d'être payé? Vous aimez beaucoup votre patron, n'est-ce pas? Vous l'aimez tellement que vous travaillerez sans être payé. Combien? Laisse-moi voir la main. On va filmer ça et comme ça on peut montrer au patron. C'est bien, tu as un bon travail, hein? C'est ça. Mais mes amis, on travaille avec un espoir. Mais nous sommes sauvés avec un espoir. Ça commence déjà quand on connaît Jésus. Richard, quand on connaît Jésus, ça commence déjà.
Ma mère, quand j'étais jeune, elle faisait des gâteaux. Certains d'entre vous, je vous ai déjà dit. Moi, j'aime beaucoup les gâteaux. Les choses sucrées, je suis tellement content que ce n'est pas un péché si on est modéré. Parce que sinon, moi, je suis cuit. Hein. J'aime bien les choses sucrées. Et maman, elle faisait un gâteau. Les gâteaux américains sont souvent deux étages, assez grands. Et puis, on met de la crème là-dessus. Wow, mamma mia, le cholestérol, les calories, la graisse. C'est bon comme tout. Hein. Et là, je me souviens un moment, elle avait, on dit des batteurs pour mixer un peu la crème. Et puis, elle enlevait tout ça, elle prenait la crème et mettait sur le gâteau. Mais il fallait attendre un peu jusqu'à ce que le gâteau, ça se refroidisse. Mais entre-temps, elle prenait des petits batteurs qui étaient sur son appareil là. Il y avait deux, trois. Et elle en donnait un à Charlie, mon petit frère. Un autre à Wanda, ma petite sœur. Et à David. Et je vais vous dire quelque chose. Des bonbons sont bons, mais je ne sais pas s'ils sont meilleurs que ces batteurs. Non, parce que là, il y a un truc, je l'ai léché dans tous les sens. Et puis, ce n'est pas en France, mais là, c'est au milieu. Il y a des endroits qui sont difficiles. Alors, avec ta langue, vraiment, tu fais des contorsions là, que pour tout avoir, parce que c'est bon. Et c'était bon. Mais ce n'était pas aussi bon, Alain, que le gâteau. Et je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur, il nous a donné les batteurs avec plein de la crème. Ah, déjà ici sur terre. Je sais que des fois c'est difficile. Mais mes amis, pourquoi pas profiter des bonnes choses que le Seigneur nous donne. Quand on chante avec joie. Quand on prend la parole, on la prend avec joie. Quand on rend témoignage, quand on sert le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de lourd et forcé, mais c'est la joie du Seigneur parce qu'il est là. Il y a une espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, oh là là, ça va lentement, n'est-ce pas? Bon, n'ayez pas peur, on va terminer avant 8 heures ce soir. J'espère. Il a dit, deuxième chose, il veut que tu saches quelle est la richesse de son héritage. Et j'aime bien la version Colombe, il dit quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Alors, les versions de la Bible, évidemment en grec, c'est un peu difficile de savoir lequel. Si ça parle de l'héritage du Seigneur pour nous, ou si ça parle de l'héritage du Seigneur. Moi, personnellement, je crois que ça parle de l'héritage du Seigneur. On n'y pense pas beaucoup. Nous pensons, ouais, après le ciel, wow, les portes faites des pierres, les roues pavées de l'or, et le Seigneur, et toutes les bonnes choses qu'on va manger, ce qu'on va faire, waouh, ça va être bien. On pense à notre récompense, le Seigneur lui-même. Mais je crois que ici, il parle de la récompense du Seigneur, l'héritage du Seigneur. Est-ce que vous savez que le Seigneur, quand nous arrivons au ciel, lui aussi, il va être content? Vous imaginez que le Seigneur et l'Église arrivent, tous les chrétiens, tous les gens nés de nouveau. Et le Seigneur est là. Ah oui, il vient, c'est vrai. Oh, c'est intéressant ça. Oh, je ne sais pas ce qu'il y a à faire cet après-midi. Peut-être je vais faire un petit tour pour dire un petit bonjour. Non, non, non. Il est content. Il est comme le marié, le jour de son mariage. Ouh, je suis content. Mon épouse, la mariée, elle vient. Et maintenant, enfin, c'est le mariage de l'agneau. Vous croyez que vous serez content d'être au ciel? Mon ami, lui, il est encore plus content que vous. Parce que son héritage, Dieu, il a tout. Qu'est-ce qu'il a besoin, Dieu? Vous savez ce qu'il veut pour héritage? Toi, moi, l'héritage du Seigneur, c'est son peuple. Moi, je me dis, mais comment? Parce que je me connais. Pourquoi il me veut? Parce qu'il peut avoir tout. Il a toutes les richesses de l'univers. Le petit truc sur Mars maintenant qui renifle un peu à droite et à gauche et prend des photos. Peut-être il va trouver de l'or, qui sait. Et peut-être c'est je ne dis pas que c'est comme. Mais aussi, il y a peut-être toutes sortes de choses, des richesses. C'est tout à Dieu. Et tu sais quoi? Pour lui, il n'est pas plus ému que ça. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est toi.
as mal le croire, n'est-ce pas? Parce que tu croyais, beaucoup d'entre vous, vous croyez que Dieu était fâché avec vous. Des fois, on vit comme ça. Seigneur, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Ne me frappe pas. Oh, j'ai fait une erreur. S'il te plaît, s'il te plaît. On a tellement peur. Laisse-moi vous dire comment le Seigneur s'est sentiment pour vous. En Sophonie 3 et 17, je ne sais pas si j'ai jamais prêché un verset de la Bible plus que Sophonie 3 et 17. Et vous ne pouvez même pas le trouver dans votre Bible, là, parce que c'est tellement petit. Mais il dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, il parle de toi, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi un triomphe en allégresse. Il est un peu excessif, notre Seigneur. Amen. Et, messieurs, vous vous souvenez, avant que vous soyez mariés, oh, vous tournez autour de cette petite fille, voilà, de cette petite femme, oui, oui, chérie, oui, 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 oui. Tu lui donnais des fleurs, et, oui, pour la gagner, tu étais tellement enthousiasmé, et maintenant, vous ne pouvez même pas sortir de canapé comme par PSG joue pour être avec elle. Amen. Le Seigneur, il est enthousiasmé. Et je vais vous dire quelque chose. Je crois que je vous ai déjà posé cette question. Mais cette partie qui dit « Il aura pour toi une triomphante allégresse », il est possible de traduire cela comme ceci. Dans son amour, il chantera pour toi. Alors, quand vous êtes amoureux, Aldrich, il faut apprendre à chanter. Hein? Quand vous êtes amoureux, Ça vous arrive. Combien de vous, vous les maris, vous chantez pour votre épouse? Laisse-moi voir la main. Oh, vous êtes pitoyable. Pitoyable. Oh là là. Je chante pour mon épouse des fois. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. Elle dit, arrête, arrête, arrête. Des fois, l'amour, c'est quand tu arrêtes de chanter, je crois. Mais ici, on voit, il est bien possible de traduire le Seigneur dans son amour, il chante pour toi. Il est amoureux. Quelqu'un a bien remarqué de ce verset, on dirait que c'est un amoureux qui parle à l'objet de son amour. Ça parle du Seigneur. On a cette idée du Seigneur, le vieux, avec les longs cheveux blancs, un peu comme les miens, une grande barbe blanche, et là au ciel, avec une foule, un éclair dans chaque main. Et ici, on voit un jeune marié, waouh, il est enthousiasmé pour cette femme. Il l'aime. Et mon église, mon amour, excusez-moi, mon ami, je vais arriver à un moment, c'est son église. C'est pour cela que je n'aime pas critiquer l'Église. C'est pour cela que je n'aime pas critiquer les autres chrétiens. Parce que quand je la critique, je critique la chose qui est plus précieuse au cœur du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez quand les gens ils insultent vos enfants? Quand ils insultent vos parents, votre époux, votre épouse? Non, pas du tout. Et le Seigneur, quand nous parlons mal contre l'Église, quand nous parlons mal contre d'autres personnes dans l'Église, nous faisons mal au cœur du Seigneur parce que c'est la chose qu'il aime plus que toute autre chose, son Église. Puis la troisième chose, et vous aimez bien quand le pasteur dit la dernière chose, n'est-ce pas? Vous serez content de savoir qu'il n'y a que trois choses. Bon, ce dernier point, il y a 15 sous-points, mais quand même c'est le dernier point. C'est pas possible, c'est pas vrai, hein? Quelle est sa puissance agissant envers nous? J'ai parlé avec un frère ce matin qui travaille dans le civil pour le nucléaire. Il a une position qui concerne les centres nucléaires et il doit veiller quelque chose comme ça. Et je lui dis, oh, vous savez, j'ai entendu que c'est plus propre. Il a dit, moi, j'ai un peu peur, vraiment. Parce qu'il a dit que c'est très dangereux. Vous imaginez un centre nucléaire qui explose. Boum! Plus d'affronts, hein? Parce que là, on sera vraiment, vraiment secoué par cela. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a une puissance
agissant envers toi et moi, qui est plus grand qu'une explosion nucléaire. Pour moi, c'est bizarre que la chose, la puissance la plus grande que nous, les hommes, le nucléaire, c'est destructeur. Ça tue, ça détruit. Bien sûr, ça fait du bien aussi, mais ça a du... Tandis que la plus grande puissance du Seigneur, ça donne la vie. Parce qu'il a dit, dans la suite de ces versets, c'est la même puissance. C'est comme la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors, écoute-moi bien. Quand vous venez au Seigneur, ce n'est pas seulement pour vous joindre à une église. Ce n'est pas seulement pour changer de religion. Mais quand vous mettez votre confiance en Dieu, quand vous vous repentez de vos péchés, il y a un changement dans ton cœur. Écoute bien, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, arrive à ton cœur. Boum! Et ce n'est pas une noix à champignons qui arrive dans ton cœur. C'est un nouveau cœur. C'est la vie. Tout comme Jésus est mort, puis ressuscité. C'est de la même manière que nous, nous étions morts spirituellement. Et puis Jésus est venu. Il a changé notre vie. Et maintenant, tout ce qu'il fait, c'est à partir de cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Est-ce que vous savez, Dieu veut que vous sachiez quelle est la puissance qui agit envers vous? Il n'est pas un Dieu faible. Il n'est pas un Dieu faible. Il est un Dieu fort, puissant, capable de votre côté. Il est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Dieu dit à Moïse, Moïse écoute ces gens. Et il y avait peut-être 2 millions de plus là dans le désert. Ils se plaignaient parce qu'il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas de viande. Et Dieu dit, ok, Moïse, je vais leur dire de quoi je suis capable. Je vais leur donner à manger un mois. Et Moïse a dit, Seigneur, écoute, je te rappelle quelque chose. Il y a 600 000 hommes ici qui aiment manger. Et en plus, il y a les femmes, certaines d'entre elles, elles mangent aussi. Et il y a des enfants, Seigneur, tu sais, et où vas-tu trouver de la viande pour tout ce peuple? Tu veux que nous tuions les troupeaux et tout ça? Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, est-ce qu'il y a rien qui soit trop difficile pour Dieu? Moïse, tu vas voir. Tu vas voir, il y a un verset qui dit, Dieu, il a exposé son bras puissant. Quand nous étions petits, nous essayons de faire des muscles, pour que tout le monde croit que nous avions des muscles, et il n'y avait pas grand-chose, mais on croyait, hein, et voilà. Mais Dieu, il montre son muscle, et c'est fort. Et je ne sais pas quel est votre besoin. Mais Dieu est plus grand que votre besoin. Si vous avez besoin du salut, Dieu est là pour vous sauver et vous donner la vie éternelle. Si vous avez besoin de la guérison physique, il est là. Si vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, cette connaissance grandissante de Jésus, il est là. Mais en préparant le message, je me suis dit, Seigneur, souvent, nous prions pour les besoins physiques des gens. Mais il y a des gens qui ont plus mal, pas physiquement, mais il y a des maux intérieurs qui font plus mal qu'un cancer physique. J'ai lu quelque chose cette semaine. C'était David Brooks, un écrivain qui a fait ce reportage. Mais il a dit, dans les années 90, Vincent Felitti et Robert Anda ont mené une étude sur des expériences de l'enfance négative. Ils ont nommé 10 catégories de drames de l'enfance. Ils leur ont demandé, ces gens qui étaient dans l'étude, s'ils avaient été abusés, si leurs parents avaient divorcé, si un membre de la famille avait été mis en prison ou souffrait des maladies mentales, et puis des autres. Il y en avait 10, des choses dramatiques qui arrivent dans l'enfance, aux enfants dans la famille. Et ils donnaient un résultat, ils appelaient ça le ACE, qui prenait en compte combien de ces expériences qu'ils avaient. Le lien
entre ces traumatismes de l'enfance et l'adulte qui devenait plus tard était frappant. Les gens qui avaient un score de 4, c'est-à-dire une personne qui avait subi 4 de ces expériences sur 10, soit l'abus ou parents alcooliques ou toutes sortes de choses, mais 4 sur 10, ils devenaient alcooliques 7 fois plus souvent que les gens qui avaient un score de 0, c'est-à-dire qui n'avaient pas eu ces expériences. Ces gens avaient de l'expérience sexuelle avant 15 ans 6 fois plus souvent. Ils ont été diagnostiqués avec le cancer 2 fois plus souvent et l'emphysème, c'est-à-dire une maladie des langues, 4 fois plus souvent. Ceux qui ont eu 4 de ces expériences négatives dans l'enfance. Les gens qui avaient un score de plus de 6 essayaient de se suicider 3 fois plus souvent que les autres dans l'étude. Excuse-moi, pas 3 fois, 30 fois. 30 fois plus souvent que les gens qui n'ont pas eu ces expériences. Il a dit, d'autres recherches révélaient que seulement 3% des étudiants qui n'avaient pas eu ces problèmes avaient des difficultés d'apprendre et des problèmes de comportement à l'école. Tandis que les gens qui ont eu ces expériences, 4 de ces expériences, 51% de ceux qui avaient un score de 4 ou plus avaient ces difficultés. Et je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par leurs parents. Souvent, on traîne ces traumatismes partout dans la vie. Il y avait une femme, une fois, de 78 aux États-Unis, qui parlait avec ma femme. Et elle a dit, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, mon frère s'est abusé de moi. Alors, plus de 60 ans plus tard, elle traînait toujours cela. Parce que ces expériences, souvent, ils sont là pour la guérison. Et Jésus, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est là pour vous aider. Peut-être vos parents étaient alcooliques. Je connais une femme, son papa l'a chassée quand elle était adolescente de la maison. Elle a dû se débrouiller comme ça parce que papa ne voulait plus d'elle. Pouf, la porte. Toutes sortes de choses. Des fois, des choses pour nous étaient traumatiques. Vivre avec un parent qui n'était pas normal, ça fait mal. Mais le pire, c'est que ça peut bien influencer, pas dans tous les cas, mais ça peut bien influencer l'adulte qu'on devient après. Et moi, je dis, il est temps qu'on soit guéri. Je crois que la guérison prend deux formes. Dans juste un moment, je vais vous demander, si vous avez été blessé, de venir, on va prier. Parce que je crois que la guérison, il y aura des délivrances immédiates, ce soir, cet après-midi, maintenant, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est ici dans cette salle et elle va vous guérir. Mais il y a aussi des guérisons qui sont progressives, c'est-à-dire ça prend un temps. Et vous allez demander à un chrétien, peut-être des chrétiens, un couple, quelqu'un pour vous accompagner, pour vous aider dans le chemin de la guérison. Mais Dieu veut guérir son peuple. Dieu veut que vous sachiez 3 choses. Il y a une espérance dans cette vie chrétienne, mon ami. Il y a une espérance dans cette vie chrétienne. Deuxièmement, Dieu a un héritage merveilleux. Et c'est toi et son Église. Troisièmement, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en train d'agir dans ta vie maintenant. Laisse-la. Faire. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, nous sommes là devant ta face. Seigneur, en tant qu'être humain, nous sommes incapables, Seigneur, impuissants devant beaucoup de choses de la vie. Mais Seigneur, nous sommes conscients parce que nous sommes tes enfants, que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en train d'agir envers nous maintenant.
Tu es là. Tu es là. Seigneur Jésus, tu es là pour guérir. Et je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux de notre cœur, que maintenant on voit Jésus comme jamais auparavant. On voit ce qu'il a fait, on voit ce qu'il fait, on voit sa puissance agissant parmi nous, on voit combien nous sommes précieux pour lui. Seigneur, je prie qu'avec cette connaissance encore plus profonde de ta personne, Seigneur, que notre foi sera stimulée pour que nous puissions recevoir de quoi nous avons besoin dans la réunion cet après-midi. Restons dans la prière. Tu dis, David, je suis là. C'est vrai, j'ai le sentiment que je traîne certaines choses avec moi depuis des années. J'étais blessé par la vie, j'étais blessé par les choses qui m'ont fait mal et j'ai besoin d'être guéri. J'en ai assez de le traîner, j'en ai assez que ça influence l'adulte que je suis devenu, surtout l'adulte en Christ que je suis devenu. Je veux être guéri et délivré. Je veux casser ce lien qui me retient d'être tout ce que le Seigneur veut qu'il soit dans ma vie. Si ça, c'est vous, aujourd'hui, je dis, c'est assez. Je suis fini avec cela. Je veux être guéri de ce lien du passé. Levez la main, s'il vous plaît. J'aimerais bien prier pour vous. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu.